Hey, salut YouTube! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, toujours en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir sur Twitch de temps en temps, le lien est toujours en description. Aujourd'hui, on va faire les nouvelles profondeurs spiralées qui sont là pour surtout vendre Hayato et Venti. Donc on va utiliser les deux personnages à l'étage 11 et 12 qui sont les nouveaux. Allez, 20% de bonus de dégâts, de compétences. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, il faut vraiment avoir des personnages animaux pour ses profondeurs spiralées. Hop. Faire ça. Parce que vraiment, il y a des ennemis qui se baladent partout. Et c'est très très pénible. Bon, après, vous avez pratiquement que des petits ennemis. Hein. Non. Dégagez. Laissez mon monolithe. Et toi aussi, tu dégages. Toc. Où est-ce qu'il l'a? Venti! Ok, bon. Venti, qu'est-ce que tu fous? Personne n'est mort. Bro. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon. Attendez. On va déjà tuer lui, voilà. Et tuer lui. On va attendre la prochaine phase. La prochaine vague. Voilà. Mais où est-ce qu'il envoie ses... Non, c'est bon. Tout se passe très très bien. Tout se passe comme prévu. Regardez, tout le monde meurt. Tout le monde meurt très rapidement. C'est juste parfait. Sauf les deux là qui n'ont pas voulu mourir. C'est quand même chiant. Je fais gaffe au placement de l'ulti de mon Venti. Mais pourtant, il l'envoie à perpète. Et ça me fait péter un câble. Hop. Bon, attendez, faut aussi s'occuper des quatre là. Bon, en fait, n'invoquez pas Venti, ça sert à rien. Invoquez Jean, regardez comment elle les a tous déboîtés. Je sais pas combien elle a fait de dégâts. Voilà. Allez, 20% de dégâts élémentaires. Ouais, avec Venti, ça devrait être plus simple. Non, c'est bon. Là, voilà. Hop. Venez voir. Pour la suite, ça va être mieux. Pour la suite, ça devrait être mieux. Ouch. Ouch. Messieurs, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il fallait vous mettre ce genre d'élément dans la gueule pour que ça passe. En vrai, je fais vraiment nimp depuis tout à l'heure, mais let's go. Hein. Ça passe. Allez, vas-y, on fait ça. Et normalement, ça s'est terminé. Voilà. Ciao. Venti, tu me trahis pas cette fois-ci, ok? On se met d'accord? Ok, on est bien d'accord. On fait ça, hop. Mais pourquoi tu l'envoies là-bas? Après, pourquoi pas? C'est très bordélique, mais ça a l'air de passer. Ok, c'est passé. Non. Bon bah vas-y. Et voilà. Oh non, ça a infusé en hydro. D'où ça a infusé en hydro? À cause du bouclier de l'autre. Bon. Venti fait les pépites. Non, mais Venti en fait il vise n'importe où. 20% de déchaînement élémentaire. Ouais, ça va être la foire. Ça va être la foire encore une fois. Qu'est-ce que je fais? Fallait faire ça. Fallait faire ça avant. Jungling récupère de l'énergie, non. Bon, c'est pas le summum de la combo, hein. On est bien d'accord. Voilà. Let's go, on fait comme ça. Venti a un petit peu trop abusé sur l'alcool. C'est ma pauvre. Ouh, il y a des petits 33 000 qui se perdent par ici. Voilà. Bon, cette fois-ci, Venti, c'est ta dernière chance de vraiment faire un bon boulot, ok? Toc. Voilà.
On fait comme ça. On fait comme ça. Voilà. Voilà. Et là, on est bien. Et là, c'est la foire avec, avec Yaimiya. Bon, vous pouvez tous vous rassembler. On fait ça. Parfait. Oh là là, oh là là. Allez, Yaimiya. Elle vise les boucherons, mais c'est pas grave. Un sacré spectacle. Elles ont survécu. On peut tout faire comme ça. Comme ça. Et normalement, c'est terminé. Parfait. 68K, l'ulte de Jin. Eh, ma Jin est plutôt OP, hein. C'est vrai. Dégâts de déchaînement élémentaire augmenté. Ok. On va bien voir ce que ça va donner. Tac. Pourrais-tu lancer l'ulte? Non, pas l'ulte, mais... Oh, 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 oh. Très bien. Ça. Je comprends rien à ce qui se passe. Toi t'es là. Non, lui. Yes, let's go. Bon, j'ai rien compris à ce qui s'est passé, mais je... Là, je pense qu'enfin Venti a servi à quelque chose. Ok. Balance les ultes et voilà. je crois que c'est deux golems ici. Est-ce que l'autre peut venir? J'aurais peut-être dû mettre une Mona quand même. Après, je sais bien que là, je peux faire la poire aux dégâts avec Ayaka et ça passe. Voilà, trop de chiffres pour Mako. Il y a tellement de trucs à l'écran que ma qualité de stream est passée toute seule à 360p. Voilà. Là, ça m'a l'air d'être quelque chose d'un petit peu plus correct. Voilà. On se met là. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Ça. Et on fait ça. Il en reste une quelque part. Eh, sale lâche. Reviens ici. Punaise, mais tu me fais vraiment perdre du autant de temps? Ah voilà, on a gagné. C'est bon, c'est les trois chantres, non? Oh zut! Alors, ok, ok. Ok, ok, j'ai compris. Stop! Bon, si je tape partout, ça devrait passer. Ça devrait forcément passer. Est-ce qu'il y en a un qui est dans son... Ah oui. Tac, on fait ça. Je pense que à un moment ça va passer. Vas-y, Tetsuya. Ah, il y en a un qui est mort. Je sais pas lequel. Stop. On se calme. Ah. Récupère les PV. Avec la team que j'ai, il faut juste balancer ses sorts partout et j'imagine que ça passe.
Mais là, je dois vous avouer que tout ce que je fais depuis le début de cette vidéo, c'est Oonga Poonga. Je n'ai aucune strat. Et ça a l'air de passer. Tant que vous avez un personnage de crowd control, Venti, Katsua. Voilà. Ah, c'est vous, c'est vrai! Hop. Allez, mon petit Hayato, fais-moi donc tout ce taf. Recharge les ultis de tout le monde. Oh mince! J'avais pas vu que je prenais si cher! Ouh! Ouh! Récupère de l'énergie? Ah ouais, non mais. C'est truc. Ouais. Kamisatori. J'ai aucun healer, hein. J'ai aucun healer. Tout se passera très bien. Tout se passera très bien. On va réessayer. C'est que la première salle. Que la première partie. Plutôt. Yikes. Big yikes. Tout se passe pour le mieux. Tout va bien, c'est que Sneaker Raiden. Sneaker Raiden. Là c'est la bonne. J'ai pas de zone de Bennett. Oh, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Oh. Vas-y, vas-y Bennett. Nice. Oh, les mobs hydro, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ouais, ouais, ouais. Ne dites pas GG tout de suite. Puisque si ça se trouve, on va encore bien se faire défoncer juste après. Ok. Et tu mets ça. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Bon, en même temps, on a 3 cryo dans l'équipe. 3 cryo qui génèrent des. Non, 2 qui génèrent des zones cryo. Vous m'avez compris. Toc. Ah. Je rêve où il y a un fusée d'hydro. Ok, j'ai eu peur. Quand je voyais qu'il avait encore beaucoup de vie après et qu'il restait 30 secondes, je commençais à flipper. En fait, c'est juste l'étage. Enfin, la troisième salle qui a été chaude pour les deux persos pyro. Enfin, tout, pour les deux chantres pyro, mais je pense que. Ou apôtre, hein, peu importe. Je pense que avec un meilleur healer que Bennett, ça passait mieux. Si jamais vous voulez refaire ça chez vous, il faut que vous ayez un healer qui génère beaucoup de heals.
Puisque Bennett qui heal un par un, c'était peut-être pas dingue. Ou alors faut bien esquiver. Mais honnêtement, moi ça me fait plaisir de revoir des profondeurs spiralées comme ça. Parce que les boss, c'est chiant. Voir plein de petits ennemis partout, ça c'est un petit peu plus intéressant, ça nous le change. Le Magu Kenki, le Géosaur, le je sais plus quoi. Non, ça on en a marre. Donc n'hésitez pas, ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces profondeurs spiralées. Est-ce que vous pensez qu'elles sont meilleures qu'avant? Est-ce que vous préférez la méta où il y a des boss ou la méta où il y a plein d'ennemis? Je dirais que le problème avec les pleins d'ennemis, c'est il faut des persos animaux pour rassembler les ennemis, mais bon, on a Sucrose. Mais c'est aussi une méta où il faut savoir casser des shields. Il faut pas avoir de gros DPS, mais il faut surtout avoir des persos pour casser les shields. Donc des persos qui appliquent beaucoup le cryo pour la deuxième partie, et des persos qui appliquent beaucoup l'hydro pour la première. Bref, sur ce, YouTube, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le petit like juste avant de partir, de vous abonner pour être au courant quand je ferai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye YouTube. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch, évidemment. Bye.